Il était 3h75. Ah, on aime. Alors, là, l'iPod Touch, c'est la dernière génération, donc vous voyez, voilà. Un iPod, voilà, de base. Voilà. Avec. Ici. Voilà. À un moment donné, voilà. Le son est pour éteindre. Ici, le son pour éteindre là. Voilà. L'iPhone 8 qui bénéficie évidemment, et voilà, des boutons ici, la petite carte SIM pour remettre la carte SIM dedans quand vous en avez besoin, le son. Est-ce qu'il change cet iPhone de quel son? Mais vous voyez aussi ce bouton, là, vous avez le bouton, vous pouvez appuyer là. Voilà. Après, là, l'empreinte digitale que vous avez là. Voilà. Et on passe au dernier appareil de chez Apple, un iPod Touch 4, dernière génération. Voilà. Voilà, donc on s'intéresse. Évidemment, à ça, donc vous intéresse évidemment au son. Ici, là, évidemment, vous avez rien. Voilà, là, vous avez rien. Voilà, vous avez la petite caméra ici que vous avez sur celui-là. Au comparé avec celui-là, celui-là, vous avez une caméra ici et une lampe torche. Et sur celui-là, vous avez juste la petite caméra. Vous avez la prise jack et le chargeur. Voilà. Maintenant, faut savoir que ces trois téléphones, iPhone, Apple et Apple. La première génération, c'est lui qui est sorti, que j'ai eu en premier, j'ai eu celui-là. Première génération. Pour un iPod Touch 4. Pour ici, l'iPod Touch 6. Et l'iPhone 8, voilà. C'était E-Tech 375. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est Photo Vidéo Film 969. Bon week-end.